Ma devise est, on peut parler de tout, mais à un moment donné, faut mettre du rouge à lèvres. Alors j'ai envie de vous raconter toutes ces femmes qui m'ont permis de me construire, parfois en miroir, parfois en réaction. Ma mère, faut que je vous parle de ma mère. Ma mère était espagnole et catholique, ce qui veut dire que t'es une fille, t'es une pute. Là, il y a ma mère. Là, il y a Brigitte Lahaie. D'un côté, j'ai péché, de l'autre, j'ai pécho. Peur d'aide en chapeau melon et bottes de cuir. Et puis il y a eu Kelly, des drôles de dames. Et puis Super Jimmy. C'est crevant d'être les autres, hein. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seul je la joue maladroite, similar et sol do fa. Ruth Handler remarque un jour que sa fille ne joue pas à la maman avec ses poupées. Dis donc, au lieu de fabriquer des jouets à la con, tu pourras pas faire une poupée adulte pour notre fille? Le modèle de millions de petites filles dans le monde est la hantise des féministes. Parce que moi, quand je serai grande, je vais être Olivia Newton-John. Je vais prendre la pilule et me taper des mecs. Moi, j'ai la chance de grandir en France en pleine libération sexuelle. Une grande dame vient de faire voter la loi sur l'avortement qui va changer notre vie. Cette grande dame, c'est Simone Veil. Ne plus confondre être aimé et être aimable. Sachez que le clitoris a fait son entrée dans les manuels scolaires il y a seulement 3 ans. Le clito est arrivé, sort de ton caleçon. L'amour et la joie sont au bout de tes doigts. Tiens, tiens, oui, c'est bon, continue. Oh, cette voix. Rien qu'en disant bonjour, elle t'éteint les bougies. L'égalité homme-femme n'existe à 100% dans aucun pays du monde. Mais vous, messieurs qui n'êtes pas des porcs, mais faites-le savoir, on a besoin de vous. Sinon tout ça, ça va se finir comme avec la pollution. Les femmes sortiront les jours pairs et les hommes les jours impairs. Faut arrêter de penser que depuis que nous, les femmes, nous sommes libérées, les hommes sont paumés. Ils l'ont toujours été. Dans la vie courante, un pénis moyen nous convient parfaitement. Par contre, pour un soir, on aime bien faire péter la moyenne, hein. Messieurs, on va prendre des mesures. Est-ce qu'il y a des volontaires? Les filles, 50 ans, le monde nous appartient. Alors on dit comment quand on s'est fait refaire les seins, remonter les fesses, siliconer la bouche, botoxer le front et lifter le visage? On est ruinés. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles n'ont pas le temps.